Vous venez ? Où ? Il y a trop de gens ici. Et alors ? J'aime mieux les rues désertes. Vous vous baignez ? Non. Et il paraît qu'elle est super géniale. Qui ça ? La mer. Alors le pèlerin, ça marche ? Ça marche. Avec la flûte ? Avec la flûte. Le ballon ! Comment c'est le ballon des enfers ? Introuvable. Une question, une seule, après on n'en parle plus. Cette femme, vous m'aviez bien dit qu'il y avait des lettres dans ce paquet. En ouvrant ce paquet, en voyant ces lettres, cette femme sera-t-elle heureuse ou malheureuse ? Oui, j'emploie peut-être des mots qui ne veulent rien dire, mais... Disons plutôt... Va-t-elle souffrir ou non ? Je ne supporte pas de faire souffrir quelqu'un, même involontairement. De toute façon, c'est fait. Oui, bien sûr, mais... Mais quoi ? Je me suis posé la question, moi aussi. Quand elle a ouvert le paquet, quand elle a reconnu les lettres de mon père, elle a subi un choc, sûrement. Ces lettres lui ont rappelé le temps où elle était jeune. Elle a pensé à celui qui lui a envoyé ses lettres. Elle a compris qu'elle a existé longtemps dans la mémoire de cet homme. Sa souffrance sera d'oublier tout ça. J'ai reçu un ordre, j'obéis, c'est tout. De qui ? De mon père. C'est volontaire de votre part ? Quoi ? De jouer les cadavres rôtis au milieu des autres ? L'autre jour, je vous ai cherché au milieu de tous ces dos huilés. Je n'ai pas su vous reconnaître. Aujourd'hui, je saurai. Vous n'aimez pas les plages ? Je ne les aime plus, ni les plages, ni la mer. Pourtant, en Hollande... Je vais quitter Saint-Raphaël. Je n'ai plus rien à y faire. Je vais finir l'été dans une maison perdue, à l'abri de tout ça. Y a-t-il une tradition amoureuse dans votre famille ? Je veux dire, quand on aime quelqu'un, comment lui fait-on comprendre ? On achète des chevaux, on soudoie les gardiens, on drogue les chiens, on enlève ce quelqu'un et on s'enferme avec lui dans une maison neuve. Alors c'est raté. Dans ma maison perdue, il n'y a ni porte ni toit. C'est une ruine. Et comment fait-on dans votre famille ? Dans le temps, il y avait des pigeons voyageurs. Aujourd'hui, ils sont morts. Alors...